Merci, oh, merci, son of Thomas. The comeback. Ok. Nous sommes de retour sur Oblivion, et comme d'habitude, quand Oblivion reprend, eh bien, le jeu ne sait pas où il habite. Donc, il faut absolument tout réactiver, parce que, eh bien, nous sommes en... Non, non. Oui. Nous sommes en 2017. Et en l'an 2017, il est possible de faire tourner Oblivion au maximum. Regardez ça. Je vais relancer la partie. Ah, j'ai encore la... La souris toute naze de Mass Effect 2, quoi. Et ça tombe bien parce que, en ce moment, comme je joue à Zelda dans mon coin, qui est d'ailleurs très très bien, eh bien, ça m'a mis d'humeur de me dire, est-ce que vraiment ce Zelda est mieux qu'Oblivion? Bien sûr que non. C'est parti. Où est-ce qu'on en était? J'ai tout oublié. Oula. Après un... C'est pas à l'aise. Merci Zone Peace. Après un blackout digne d'Heavy Rain, Fargos se réveilla. Ah, oui, le loot. Ça voilà, j'ai tout oublié. J'ai oublié toutes mes sensations, sauf celle de prendre l'argent. L'argent des abonnés. Ah oui, derrière, je ne paierai même pas de graphiste pour mes besoins visuels. Salut Colin Saznek. Ah! Je m'étais évanoui. On dirait le début de ces mauvais épisodes de série, genre... Laissez-moi vous raconter comment cela a tout commencé, comment cela a débuté. Pour que vous compreniez la situation, il faut revenir une semaine en arrière. Alors là, je me réveille totalement bourré et le roi de Cyrodiil, je déconne même pas, me dit putain, j'ai rêvé de toi, mec. Oh là là, Fargos le mytho, ça ferait une très bonne série, hein. Mais merde, mon polo, mon chandail est cassé. J'ai ça là, cassé mon chandail, bro. Steed marde. Je suis un cognito. Ah, oh, c'est vrai que c'était pas vrai que je suis un vampire. Oh putain, j'ai tout oublié. Les musiques sont goldées. Il est encore très bien et très beau, ce jeu est très fluide. Bon, ça c'est normal, mais mine de rien, les textures sont aussi bien que le nouveau Zelda. Les lumières un peu moins, mais... Mais attendez, on va pas se mettre en PLS face à une saloperie de merde comme ça. Deux secondes. Où sont mes brassards du Krav Maga? Je les ai, mais alors... Tu veux des patates? Tu veux la bagarre? Je suis à peu près sûr que c'est Marc Alphos maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hadouken! Hadouken! Ah, ça lui nique bien ça. Yoga Fire! Non! J'ai plus de vie! Tout de suite un moult péripétie. On a même pas besoin d'attendre 2 secondes. Ah, j'ai rien du tout. Ok. Cet arbre va nous protéger. Ah, mais j'ai toujours ça. Piou. Poussin, piou. Piou. Non, mais tu fais exprès de l'éviter ou quoi? Eh, mais tu t'en fous. C'est quoi ce délire? Non, attends. Oh. Ah. Elle fait des bébés dans mon dos. Le pire cauchemar d'un youtubeur. Non. Mange des patates. Mange des patates. Oui, 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 oui. Oh.
Le gameplay de Phagos n'a pas évolué depuis le premier stream. Ah mais il reste... Même s'il est un peu bling bling, maintenant, Phagos reste fidèle à lui-même. Hein. Par contre, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'adore le nouveau Zelda, c'est que c'est vraiment un jeu de la maroufle. Genre, il y a un donjon avec un espèce de... J'ai fait une espèce de salle de défi avec un espèce de cube qui tourne avec des torches qu'il faut allumer. Mais il y a un truc, c'est une espèce de rampe d'incendie qui éteint les torches quand elles bougent devant. Il faut penser à chaque fois que tu fais bouger le truc. Et vraiment, j'ai juste pris un arc de feu, j'ai fait j'allume tout, voilà, je fais ah bah tiens là ce truc là visiblement faut grimper avec un objet, je fais exploser la poutrelle, je m'en bats les couilles, je récupère le fric. Et finalement hein, je pense que les gens qui s'amusent sur Zelda aujourd'hui ont peut-être oublié à quel point Oblivion faisait tout mieux qu'avant, mieux que lui avant, l'arc, les flèches, tout ça. Je rappelle hein, qu'on joue à Oblivion sans aucun mode. D'ailleurs, ça se voit parce que là, par exemple, tu vois, le reflet, il est un petit peu low poly, là. Ben, regardez, même les armes qui se pètent tout le temps, ça vient d'Oblivion. Hein. Mais quand je vous dis qu'en fait, je voulais jouer à Zelda, mais finalement, je me suis rappelé qu'Oblivion, c'était pareil en mieux. C'est plus beau, d'ailleurs. C'est plus fucking beau. On verra quand même à quoi ressemble le Skyrim sur la Switch. Un puma! Moi j'opte pour ma paire de pumas. Elle guide mes pas à pas. J'ai fait le bon choix, recharge-toi. Je n'ai pas touché mais caressé tous mes rêves. Je demande une trompe. Le doc est en rêve. Plus rien ne me fait kiffer. Plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis pas. Putain, je fais saigner avec mes phalanges. Je suis quand même un gueudin quoi. Et d'ailleurs, vous l'avez découverte sur Benzaï Live, ou pas, mais notre ami Jesse Volt est dans le dernier clip du rappeur Vald. Alors, je dois quand même vous avouer que vous m'avez beaucoup linké cette musique aujourd'hui. Je n'aime pas du tout. Et pourtant, j'aime bien la zig de Vald, urbanisme. Je l'aime vraiment. Mais alors là, la dernière, je sais pas, je suis trop vieux. Ah bah là on joue à Oblivion en 1080p anti-aliasing x8. Je suis sûr que même comme ça Oblivion il tourne pas sur Switch. Hein. Mais c'est vrai en plus. Je déconne pas. Donc j'attends de voir la gueule de Skyrim. Hein. Je pense qu'on va rigoler. Hein. Parce que Skyrim Ultimate etc. il a intérêt à être au moins aussi bien que la version 360. Sinon je rigole fort. Un château. Je sais pas où j'allais par contre. C'est de la trappe à la Damso, faut aimer. Ah d'accord. Oh merde, j'espérais que c'était un crabe. Elle, mais je sais pas si elle est en armure de verre classe ou en robe de chambre. Ah non, il est là. Regardez, il est là. Il est là, Krabby. Tu es là, mon ami. Il a répondu au bas de signal. Genre, oh, c'est ma roufleur, est en pyjama. C'est mon tour, c'est moi le héros de l'histoire. Merde. Ah, mais non. Oh oui, elle est coincée. Yes. Même le fait de récupérer ses flèches par terre, c'est comme... Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont joué à Zelda en mode genre... Putain, mais c'est cool, on peut récupérer les flèches par terre. Mais en fait, qu'ils se sont même pas souvenus qu'on pouvait le faire dans Oblivion. Merde, on va arriver à court de flèches. Mon talent, c'est... Regardez comme il est fier. Maintenant, je vise mieux à l'arc. Oui, sac à merde. T'en as vidé 300, quoi.
On n'a plus de flèches maintenant. Venez, fais les fonds de poubelle. Flèche de lumière. Vois ton brasier. Au feu. Non, oh, il est dodge. Oh, le mec est MLG, quoi. Oui, hop. Et ça, c'est beau quand même. Faire. Je clac, clap. J'ai rattrapé ma flèche. Même Legolas le fait pas. Par contre, la musique ne s'est pas arrêtée. Et vous savez pourquoi. Car j'ai vu un crabe des vases. Attendez, est-ce qu'il y a une avalanche de flèches ici? Excusez-moi, je cherche mes flèches. Oui. Ceci est un nénuphar. Putain. Je n'ai pas le choix. Il y a des jours comme ça où un homme ne peut pas échapper à son destin. Attends, 145 de QI, non. Remets tes chaussons. Remets ça, tes bottes de verre, là. Ah non, mais quand je porte cette cuirasse, ça va pas. Non, mais jette-la, la cuirasse de machin. On reprendra 145 de QI plus tard, mais... Où est ce Vazar? Il est là! Ah. La 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 lou. Musique géniale. Alors pour le coup, les musiques d'Oblivion sont vraiment mieux que Zelda. On va faire quand même aujourd'hui le constat que Oblivion en son temps était mieux que Zelda aujourd'hui, alors que pourtant Zelda a eu 20 sur 20 et ça, c'est inadmissible. Mais moi, c'est inadmissible que Oblivion n'ait pas eu 20 sur 20 à son époque. C'est un rare. Merci Frozen Vodka Live. Je peux comprendre que Two World, on puisse pas saisir le délire. Mais Oblivion, c'est le jeu parfait quand même. Il y avait tout. Regarde tout ce qu'on peut faire. Là, je vais là, on ne sait même pas ce que ça va être. Certainement de la merde. Oh, attends, je suis pas déjà allé là. Regarde, même ça, on peut le faire dans Zelda. Se faire caca culotte. Oh, le Nanto. Moi, je suis d'accord hein, pour qu'on donne 20 sur 20 à Zelda, hein, mais dans ce cas-là, faut donner 20 sur 20 à Oblivion. Yeah. Parce que c'est véritablement, et je le pense sincèrement, un des plus grands jeux de l'histoire. Ah! Un chiffon. Et dans Breath of the Wild, on peut pas aller sous l'eau. Eh ouais. Est-ce que j'ai vu le patch de Zelda qui rajoute des petits effets visuels? Non, mais en tout cas, récemment, je l'ai patché le jeu. Oh, une pierre de Welkind. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée chiffon et zombie, là? Chiffon nudiste. Oh putain, c'est balèze. Merci Jonathan. Je pense que tu es réjoui de voir du Oblivion. Oh, ça c'est moins chiant que Mass Effect hein. Tu vois, Oblivion avait déjà prévu qu'un système à la Mass Effect ce serait chiant. Oh non, ça c'est rien. Hop. J'ai l'impression que c'est un donjon où quelqu'un est déjà venu, a laissé les trucs de merde. En se disant, bon, de toute façon, il y aura bien un pauvre marouflard, moitié clodo à qui ça plaira cette histoire. Heureusement que ma rapidité est toujours aux petits oignons. Aux petits oignons. Il me reste 3 crochets. Aïe, il me reste 2 crochets.
Benzaï, les donateurs ne sont plus des harengs. Mais si, les gens qui s'abonnent. Ah! Et voilà, tu m'as fait rater. Ça allait bien se passer. Attendez. Oh. Attendez, c'est très important que je... Arrêtez de me taper, j'essaie de faire un truc. Non. Voilà, tu vois que t'es un harang. Waouh. Merde. J'aurai cette pierre de Welkind. J'boing. Non. Non. Ah non. Ah non, non. Ah non, attendez, je dis faute. On avait dit pas les vêtements. Bon, au final, il y en a 10 000 ici. Et en plus, ce qui est beau, c'est que je vais pas m'en servir. Oh. Oh merde. Ah, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ah bah là j'ai pas le choix, là il faut que j'en utilise une. Tu vois, c'est à ça que ça sert. Je vais prendre une pierre de Welkind. Comme ça. Je vais pouvoir devenir invisible. On va maroufler cette histoire. Oh non! Ça s'est très mal passé. Donc déjà, je pense qu'en fait, qu'on aurait pu genre tuer un rat et attendre pour déjà être stock. Regardez, la vraie strat, c'est ça. Refaisons ça en arrière. En haut des escaliers, on peut bivouaquer. Non. Au bout de ce couloir, on pourra bivouaquer. Attendons 24 heures. Maintenant, on sait où on doit aller. En fait, là, ce que je voulais faire, moi, regardez. En fait, c'était m'infiltrer. Là, normalement, il ne me voit pas. Hein. Torchonman et Nudistman ne me voient pas. La vie passionnante de ce fantôme, quand même. Attendre Gus DX au fin fond d'une crypte toute sa vie, quoi. Bien sûr, ça fait pas de bruit. Donc là, par contre, nous allons découvrir le grand méchant. Sauf si je peux maroufler le trésor sans qu'il me voie. Bon, alors là, soyez sympa. Hein. Aïe! Alors après, on peut débattre comme quoi Skyrim améliore Oblivion en tout point, mais je pense que Oblivion est vraiment un jeu plus charnière que Skyrim. Ah, mais merde! Même si Skyrim a été un plus gros succès. Le bouclier d'ébène, je vais pas le prendre. Putain, mais arrête! Salut! Oh, mais s'il a un bâton qui fait des sorts, je le veux. Il a dit qu'il s'en foutait. Oh! Connard, 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 connard. Viens te battre si t'es un homme. Oh là là, il m'a alourdi. On t'a jamais dit que t'étais lourd. Ah, c'est pas le bon plan. Non mais attends, mais je vais pas faire tout ça pour une boîte de sardines et puis je peux rien faire. C'est à ce moment-là que, tel Nicolas Cage dans Next, je décida de rouler du cul jusqu'à la sortie. Non, parce que c'est bon, on va faire un peu le vrai jeu. Mais c'est pas que le JV s'est démocratisé plus qu'à l'époque d'Oblivion, c'est que Skyrim, il a fait une vraie sortie. Il est sorti sur les trois supports en même temps. Il ramait pas sur tous les PC de la Terre.
Il avait un marketing totalement baisé. Et Oblivion avait bien préparé le terrain. C'est pas juste... Ah ben, entre temps, les mamies se sont mis à la Wii, donc du coup, forcément, ça fait plus de ventes, Skyrim. Rien à voir. Skyrim reste une audience core gamer. Voilà, ben c'est aussi bien. Hein. Trouver un vieux coquillage à la plage, c'est aussi bien. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je faisais, moi? Non mais je peux pas maroufler la liche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le truc de chargement. Le truc hein, c'est que Oblivion est vraiment trop ambitieux pour les machines de 2006 quoi. Fallait vraiment une putain de brute pour même pas y jouer dans des conditions comme là on joue aujourd'hui hein. En fait c'est ça, c'est que là le Oblivion auquel on joue, c'est même pas le vrai Oblivion Vanilla, car aucune machine que tu pouvais t'offrir en tant qu'humain faisait tourner le jeu comme ça, quoi. Pas en 1080p, 16/9. Et maintenant, je vous le stream, quoi. Salut. Un ventriloque. Lui rire à la figure. Oh, mais qu'est-ce qui se... C'est fini, hors la loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir... Mais tout se passait si bien. Le mec il me suivait ou quoi? C'est fini hors la loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ensuite, c'est à vous de choisir. L'amende ou la prison. C'est un rang. Mais c'était une bonne journée. Merci Arzatz. J'aimerais un moyen de voler son cheval pendant qu'il me poursuit. Et ensuite, on va voir le renard gris. Alors si, j'avais volé un cheval, mais j'ai dû oublier dans une poubelle. Tu peux pas m'attraper, tu peux pas m'attraper. T'imagines quoi, genre les flics. Tu te mets sur un rond-point, le flic il tourne à l'infini quoi. Genre... Oh non! Vous avez enfreint la... Alors, voleur, vous ne vous tirerez pas comme ça. Il y a des trucs qui seront jamais pas drôles dans Oblivion. Ah. C'est fini, hors la loi. Mais le mec il court aussi vite que le cheval, c'est le T-1000 quoi. Ah non, c'est bon. Il y a plus la musique. C'est un rang. Merci. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand on croise une autre voiture de flic? Imaginez qu'on est dans GTA quoi. Attends, je veux voir un truc. Oh putain, ah, c'est vous avez... Merci Eltic. Alors. Espèce de sale pickpocket, comment osez-vous me voler? Là forcément. Celui-là. Le pauvre cheval. Mais que fait l'ONU quoi.
Mais est-ce que le loup attaque le gars? Pour l'Empire! Oui, et le loup essaie de manger le gars. Non, il essaie de me manger, je crois. Bon, je sais plus où j'allais. Ah bah Oblivion, c'est mieux que Zelda, oui. Le gars, il va pas y passer sa soirée. Rentre chez toi, mec. C'est pas grave. Fais un rapport. On m'expliquait hein, que même les voitures d'interception qui vont hyper vite, qui ont genre 600 chevaux... Oh merde, le crabe des vases s'y met. Alors là, on est foutu. Même les voitures d'interception hein, qui ont genre... je sais pas combien de chevaux, j'ai dit 600 au pif. En fait, elles ont juste le droit d'interpeller les gars. Et si les gars s'arrêtent pas, ils notent la plaque, ils laissent courir. Hein. Ils peuvent pas foutre les gens en danger. Dans Oblivion, c'est pas pareil. Hein. Non, mais le... Ah, il est là-bas, regardez, il est là-bas au bout, quoi. Et comme dans Zelda, hein, là... Ah, mais là... Là, vous êtes foutus. Ah, il est tombé comme un con. Je me demande s'il n'y a pas moyen de le faire tomber à l'infini. Oh non, le crabe m'a... Ah, putain, il m'a pris à revers. C'est quoi cette strat? L'intelligence du crabe. Mais là, il peut pas remonter, le gars. C'est balèze. Merci Wazag. Ah il est là. Regardez, il est là, il se balade. Et donc comme dans Zelda, Oblivion c'est l'un des premiers jeux, ou du moins l'un des plus, où c'était le mieux fichu. L'un des premiers où c'était bien fichu, de voir à perte de vue. Seul truc par contre. Non mais après le Zelda est génial, hein, je crois aussi un poil. Mais en fait c'est fou tout ce qu'on prend pour acquis dans les jeux vidéo alors qu'à l'époque d'Oblivion c'était la première fois quoi. Il intègre tout d'un seul coup, genre la physique, les ondes dynamiques, tout d'une façon seamless dans un jeu qui est pourtant d'une ambition totalement démesurée quoi. Merci Circon. Parce qu'à l'époque déjà rien qu'un open world avec les graphismes d'Harry Potter le jeu ça aurait été bien quoi. Et Ultima 9, tu l'avais fait à l'époque? Non. Parce que Ultima 9, c'est vrai que c'était des graphismes un peu en glide, un peu chiant. Donc du coup, c'était vraiment encore plus niche pour vraiment y jouer dans de bonnes conditions. Et j'avais pas de PC en plus à l'époque. Et c'est vrai qu'Ultima 9 avait ces ambitions-là. Mais alors de là à dire qu'elles sont réalisées, Ultima 9, c'est quand même une bouse. Hein. En fait, c'est ça le délire aussi. Hein, c'est qu'Ultima 9 ne réalise pas les ambitions qu'il fout sur le papier. Il a de grosses couilles, mais elles sont vides, quoi. Bleu. Et Morrowind? Mais... Morrowind, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de... Il est beaucoup moins organique. Et surtout, Morrowind, tu vois pas à perte de vue, hein, c'est un mode. Hein. Morrowind est un brouillard de malade, hein, en vanilla. Hein. C'est un harangue. Alors, je vais vers cette espèce d'objectif. Merci Totorax. Je sais pas ce que je fais, en fait. Il est temps quand même de reprendre la route, hein, Fargos. Hein. Tu fais le fou, là. J'ai reçu les 200 marchandises de pièces d'or. Mais quel clochard! Ah, je peux aller acheter Dinal, récupérer mon bonus. Faisons ça. Morrowind avec un H. J'ai des Morrowind. A fucking bear. Bon ben faut vivre dangereusement. Hein. En même temps je suis sur une bagnole de flic. Hein. Aïe. Oh je peux même pas utiliser mes sorts pendant que je suis à cheval. Morrowind, c'est aussi un open world en 3D très en avance sur son époque. Oui, non mais... C'est pas ce que j'essaie de dire. C'est qu'Oblivion, le package, était juste hallucinant. Et plus encore que Morrowind, même à son époque. Même si Morrowind était une claque.
Active le gyro et la sirène. Ça fait juste du bien de se rebalader dans Morrowind après tout ce temps, toutes ces années, j'ai l'impression. Oh, Trolli, c'est toi. Viens, on va chez Dinal. J'avais besoin de toi pour une enquête. Suis-moi, ne te perds pas, Trolli. C'est par là. C'est ça. Merde. Ah là là. Bon, je vois que t'as encore des accès de colère. Tu m'en veux peut-être pour la dernière fois. Viens avec moi, Trolli, on t'a retrouvé. C'est le plus beau jour de ma vie. Trolli, viens avec moi. J'ai trouvé un coin où il fait chaud. Viens avec moi, Trolli. Écoute, si je m'arrête prendre des burgers au McDrive d'Oblivion, est-ce que tu viens avec moi? Il y a des ennemis qui sont proches, merde. Allons faire la régner la loi. Oh non, pas des Dédros, non mais non. Je me casse. Aïe, je passe par là hein. Oh non, pas les tourelles. Ouh. Oh merde. Désolé les mecs, par contre, je sais pas si vous avez savé, mais on ne peut pas remonter. Merci Trolli. Putain, t'étais où Phagos? Ce piège, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ça se passe là, j'ai l'impression. Hein. Ça se passe là chez McDonald's. Oh, cool! De la magie gratuite, des glaces gratuites. Ouais, on est bien là? C'est par là que ça va se passer. Hein, parce que moi, je ne vais. Ah! Je ne vais pas ailleurs. Hein. Attends, faisons le tour du propriétaire vite fait pour savoir. Pour au moins savoir s'il y a une autre tour à la con. Une autre tour à la con, bon, 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 bon. Ce Tokyo Drift. Comment ça a l'air d'être par là? Oh! Planque-toi! C'est quoi ça? Cet homme vivait dans mon cul. J'aurais dû attendre 24 heures devant la porte des chiottes. À terre. Ouh. Putain, mais les mecs, quoi. Arrêtez de traîner dans les halls, quoi. Arrêtez de traîner dans les cages d'escalier, quoi. T'as fait des saltos dans la cage d'escalier, y'a. Écris ta spé avec ton nom sur mon palier, mais je te pardonne. Pour toute la vie, fais-toi fourrer. Si t'as envie, mais l'aime jamais. T'as juré sur ta vie, moi je veux une tasse spé. Hi hé hi hé hi hé. Y'a des tasse spé. Hi hé hi hé hi hé. Qu'on a fait tourner. Hi hé hi hé hi hé. Des meufs grillées. Hi hé hi hé. Oh putain, c'est balèze. Merci Oblivion. Je te fous un petit coup dans le... Dans tous les quartiers. Hi hé hi hé hi hé. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, je suis love de toi. Quoi qu'on dise sur toi, t'es ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, mon girl, je suis love de toi. Allez, hop, encore une tour d'Oblivion marouflé, hein, ça commence à être, voilà. Hein. Je suis un peu la cat size de l'Oblivion, finalement. Oh, putain. D'ailleurs, je m'habille pareil. Merci, Jonathan. Wouh. Pain, pain, pain. Pff.
Ça a intérêt à être bien. D'ailleurs, j'ai un pyjama de rechange. Je suis où là? Trolli, tu m'as gardé mon bien bicyclette ou pas? Il est où passé où mon cheval? Salope! Ça aurait pu être bien. Bon, reprenons. De toute façon, je vais plus vite à pied. Hein. Il y a juste des fois, je cours tellement vite que je fais fi de la gravité. Vite, allons nous réfugier. Il pleut. Je voudrais pas attraper un rube. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gagné en fait? Voyons cette pierre sigillaire. Fortification de fatigue 50 points, agilité 12 points. Oh, caméléon 30% sur soi. Ah oui, attends. Cette cuirasse de verre là. Non, le casque, dans le casque, ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui, mais attends. Le casque. Le casque où il boue. Mets donc ton casque Weibo. Putain, elle était devenue gros et moche quoi. Putain, mais comment on est passé d'une espèce de phagocyte dégueulasse à Patrick Sébastien quoi. Oh oui, allez, orage. 30% c'est pas de la merde les gars. Hein. Et je peux plus sauter ou quoi? Je sais que c'est parce que je suis en vampire. Alors par contre cet effet là les mecs, me faites pas croire qu'il y a mieux dans Zelda, parce que c'est faux. C'est Patrick Juvet Sébastien. Bon en fait ce qui est marrant c'est que là le mec il est totalement transparent, mais en fait il est qu'à 30% transparent. Alors que je vous assure que, regardez, je vais mettre ma webcam à 30% de transparence. Vous allez voir la différence quand même. C'est pas censé se passer comme ça exactement. Voilà. Donc on est censé le voir que comme ça le gars. Là ma webcam est à 30%. Enfin, est à 70%. Donc si vous êtes aussi transparent que ça, c'est-à-dire un pouvoir, vous êtes l'homme invisible mais de merde, vous êtes un peu son cousin Picard. Le sosie Picard de l'homme invisible. Genre, ah oui, c'est vrai que t'es un peu transparent, ouais, bah vas-y, viens faire des soirées merguez. Il se peut que vous ayez du mal à les mater dans les chiottes des filles. Hein. Oh, attends, toi, par contre, j'aime pas ta gueule. Vas-y, il m'a vu direct. Par contre, je veux son bâton. Je veux ton bâton, oh. C'est quoi? Mais l'ours m'a suivi. Oh. Bon, bah, cassos. Je suis une libellule désormais. Mais où est Benzaï? ?30% transparent, il peut faire de la politique alors. C'est l'enchantement de François Fillon quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merguez partie là? Oh! Oh d'accord, je vais détruire ce truc là dans mon temps libre. Regardez les saules quand même. Oh là là, non mais l'ambiance d'Oblivion quoi. Réfugions-nous ici, à l'auberge des Cavaliers de la Pine. Les gens aussi ont caméléon ici. Impossible de dormir pendant une intrusion, mais c'est chez qui? Et moi je demande qu'à... Pourquoi Benzan a même mis sa cam? Je me rends compte que je vais très vite quand même. Oh ça c'est un beau livre. Parfait pour finir cette première VOD d'Oblivion.
J'aimerais vous raconter l'histoire du voleur de vertu. Sur les terres de l'Enclume, dans la ville de Such, vivait un baron très riche. C'était un grand numismate. La baronne Véronique trouvait la passion de son époux pour les pièces de monnaie rares fort ennuyeuse. Elle n'en appréciait pas moins la vie que lui offrait la richesse du baron. Ravius Terinus était un voleur célèbre. Il prétendait être le... On l'a déjà lu, pardon. Bref, il la nique parce qu'elle s'appelle Véronique. C'est quand même drôle. Tu sais que le traducteur, il a appelé l'héroïne Véronique de cette histoire. Parce que voilà, parce que les Véroniques... Bonjour maman. Oh, je me suis... Et ce qui est ironique, c'est que ma mère s'appelle vraiment Véronique. Et quand Cad et Olivier ont fait leur soirée, je sais plus quand, il y a longtemps, avec leur sketch... Mais non, mais regardez comment je suis pas transparent du tout. Le garde, il m'a vu, quoi. Non, arrête. Et par contre, le seul problème, c'est que... Alors... Mais regardez ce sort de merde. Le gars, il peut pas voir sa bite pour aller pisser, mais les gardes le voient de loin, quoi. Donc, quand KDO... On fait le sketch les Véroniques qui niquent, c'est pas automatique pour parodier la blague des antibiotiques. Mon oncle a hurlé de rire. Alors que c'était pas si drôle. Surtout que à cette époque là déjà plus personne s'appelait Véronique, quoi. Y'a que ma daronne, quoi. Alors je sais que mon oncle a vraiment hurlé, quoi. Il a vraiment posté sur Twitter j'ai hurlé hashtag. Bon ben réfugions-nous là-dedans, hein. Y'a que là finalement que je suis assez invisible. Mais non mais nique ta mère. Bah attends, mais ce n'est jamais arrivé. C'est pas censé. Ah mais je repars moi, hein. Ah bah oui, c'est le tonton des grosses ambiances à Noël, quoi. Mais c'est pas le même. Non, il n'y a pas des Monique. Dans votre classe, vous avez pas des meufs qui s'appellent Monique. Ce qui est, c'est que s'il se fait tuer par les méchants, ça compte pas comme une offense à la loi. Il n'y a pas injure à agent. Eh, mais il en veut, hein. Il veut du pain. Mais arrête, je suis invisible un peu. Qu'est-ce qu'il me tape là? Mais le mec, il a sorti son gun, quoi. Il a sorti le flashball. Et voilà. Maintenant, je les espie. Oh, mais regardez les différentes fougères qu'il y a dans le jeu, quoi. Là, il y a des trucs un petit peu en épi. Là, il y a un truc en fleurs. Là, il y a des espèces d'herbes folles. Là, il y a d'autres herbes. Là, il y a des fougères. Là, il y a un autre type d'herbe. Là, il y a du blé. Pff, là, il y a des ronces. Enfin. Pff. Non, mais les mecs avaient trop travaillé, quoi. En fait, moi, je veux Oblivion sur Twitch. Je veux pas Skyrim. Je veux Skyblivion sur Switch. Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Oh putain, il l'a taunt. Il a placé un taunt. Alors, on peut pas... Mais bordel, on peut pas switch dans ce jeu. Arrête de faire... Laisse-moi switcher, bordel. Oh, putain. C'est balèze. Merci, Pêche-Melbuche. Un pourboire. Que penses-tu de Fallout de Bethesda? Moi, j'ai jamais réussi... En fait, je sais pas pourquoi. Hein. J'adore Oblivion. Vraiment comme un damné. Je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais rentré dans les Fallout de Bethesda. Même les autres, en fait. Enfin, Fallout, ça m'a pas parlé. Attendez. Merci, Belpazé. Thank you.
Oh, il a gagné. Oh, mais voilà, c'était drôlement bien. Aïe! Oh les patates! Oh et j'en fous partout en plus. Regardez, on le voit à travers moi, mais putain, mais cet effet me rend toujours aussi dingue quoi. Aïe! Allons nous réfugier en oblivion, là c'est pas possible. Alors après par contre Fallout 4, j'ai pu voir hein, que il est hyper complet quand même. En fait Fallout 4 il est hyper complet dans les trucs en dehors de son histoire principale. Mais sinon le jeu fait le café sur beaucoup de points, notamment la construction d'abris quoi. Où là c'est vraiment un truc de dingue quoi. Et apparemment les add-ons sont très cool. Mais alors le jeu en lui-même il est vraiment sur... Enfin le cœur de la meule du jeu il est vraiment surbourrin et je m'amuse pas à faire les activités annexes comme là je peux faire Oblivion quoi. Non non Oblivion c'est vraiment grand quoi. Ok, c'est là. C'est là que je vais. Ok, c'est là que je vais. Oh, je peux dormir. Nickel. Une zèle qui demande l'asile politique en Oblivion, quoi. Ultra complet, mais un mauvais Fallout. Mais non, mais vraiment, l'aventure, elle est pas cool, elle est pas saucin. Une douce et agrue. Une douce et agréable brise vient chatouiller votre couille. Mais au moment de vous gratter, vous réalisez... Ah merde, est-ce que... Attends. Je suis en train d'être affaibli ou quoi? Vous portez trop de charges. Enfin, beaucoup de charges. Ces petits chaussons en daim. Ils vont sortir Fallout 4 full VR. C'est sûr que c'est pas un Fallout expérience. Ah mais attends, peut-être que je suis trop caméléon. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est pas comme pour Doom, genre une Fallout expérience, parce que Fallout 4 full VR, ça va être nul. Ils ont expérimenté, mais... De toute façon, le motion sickness, moi, je ne peux pas. Donc, tous les projets saucants sont désaucés. Ah, au contraire, je me renforce. Et pourquoi je suis autant une victime, alors? Pourquoi je suis de la merde? Attends, faut appuyer sur le bouton. Ma tête, ma pauvre tête. Normalement c'est bon, hein, c'est juste en haut là. Ce camouflage à la pisse. Non mais c'est caméléon, c'est le sort de caméléon, c'est genre vous-même vous pouvez le faire chez vous, ce sera pourri hein. Donc attends, la pierre sigillaire est là, mais comment je monte? Il y a certainement un couloir qui grimpe. J'ai bu dans ton yop. C'est pas par là. Non plus. Ah vous êtes trop nombreux là. Ah vous m'avez énervé. Oh putain, t'es balèze. Merci Jonathan. Ah, fais gaffe, tu as toujours le hoodie que je t'avais offert au TGS. Ah mais c'est toi Jonathan, putain j'avais jamais fait ce truc. Mais oui effectivement. Alors du coup Jonathan, qui en plus est génial, il est toujours au rendez-vous. C'est lui qui m'a filé ce fameux hoodie à Megaman, que vous voyez plus d'une fois, parce que je l'adore. Voilà, et j'ai fait tomber ma webcam. Ce fameux hoodie Megaman, donc, qu'on peut porter comme ça, là. Et il m'a filé celui-ci, qui est propre, alors que le sien, il y a une espèce de tache de Javel dessus,
Ou alors on parle de quelqu'un d'autre et du coup je me suis ridiculisé. Non mais je pense que c'est toi mec. En tout cas super sympa Jonathan, hein, parce que c'est, oui, il est vraiment très bien ce truc là. Tu reviens au TGS, Benzaï? Oui, il y a des chances. Aïe, mais putain, mais c'est quoi ce camouflage le plus nul de l'histoire? Oh, ce que j'ai pris dans mon cul! Qu'y a-t-il dans ce vieux foie de veau? Attends, prends une pierre de Welkin. Le mec passe son temps, en fait, à se soigner avec son sort de soins mineur, quoi. C'est quand même la teon. Ah oui, hein, Jonathan est le MVP officiel. Tu vas bien faire une semaine entière avec, ne me tentez pas. Excusez-moi, je suis juste venu prendre la thune. C'est vraiment le marouflard ultime, quoi. Le mec il passe, il rencontre les gens qui habitent là, ils font les bijoux c'est en haut. Oui, oui, bon d'accord, bah j'y vais. Vous dérangez pas. Hein. J'ai peut-être trop de bruit quand je marche. Mais non, parce que même quand je suis totalement invisible, les gens ils s'en battent les couilles du bruit. Ils me voient pas, c'est tout. Éclatez, sac de sang. Le ventre vaut rien. Éclatez, sac à couilles. Et voilà, je l'ai touché quand même. Pierre sigillaire éminente. Wouh! Oh merde, des méchants! Réfugions-nous à chez Dinal. Réfugions-nous chez Dinal d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Encore détérioration d'armes, mais c'est nul. Ah par contre, attends. 50 points sur frappe! Oh mais c'est génial! Attends. Ça c'est l'arc des... L'arc des Dick. Non. Lâche-moi ça. Regardez. Attends, mais c'est coup de... Pourquoi cet arc s'appelle coup de foudre? Ah bah oui, parce que lui, il fait mal. Non, ah mais c'est que j'ai 50 arcs magiques, en fait. Non, non, mais moi, je veux... Lâche-moi ça, là. Et tu me le mets en raccourci. Parce que maintenant, je peux te désarmer avec deux flèches. Et là, t'es pas dans la merde. Ah, mais attends, je crois qu'on peut passer par les égouts à chez Dinal, non? Bon là ce qui est bien c'est qu'on voit plus ma gueule. En fait le sort de caméléon est utile juste parce que le mec se voit plus dans son miroir quoi. Et merde, portesse de chez Dinal, ouais, super porte, mon cul oui. Merci Jonathan. Ah depuis j'en ai acheté un autre. Ok, ça marche, ça me rassure. Pas un pas de plus. Alors. On va jamais s'entendre. Hein. Voilà, et attention, maintenant, je suis totalement invisible. Non? De toute façon, ils peuvent pas rentrer par là. Salut mon pote. Alors je suis légèrement invisible et j'ai l'air con. Quoi de neuf?
Benzai Live.